chill out. On risque de voir pas mal d'échanges dans cette rencontre pour que Sébastien puisse bien se placer en coup droit et déstabiliser Mantilla. Voilà, vous avez pu voir le revers le long de la ligne de Mantilla, très agressif, beaucoup d'effets liftés. Magnifique. Et lorsqu'il parvient à décaler, à tourner son revers. Il y aura sans doute des choses à faire sur la deuxième de Félix Mantilla. Espagnol, très professionnel Mantilla. Le soleil décline petit à petit, il a néanmoins mis de l'écran total sur ses pommettes. À la façon d'un Patrick Rafter. Allez, le premier jeu sur le service pour entrer dans cette partie. On évoquait la préparation d'altitude de Félix Mantilla. Gros travail physique aussi pour Sébastien Grosjean en Floride en compagnie de Thierry Tulane, son nouvel entraîneur. Beaucoup de physique durant une quinzaine de jours. C'est bien joué. Enchaînement de coups croisés sur le revers de Sébastien Grosjean avant d'ouvrir sur le coup droit. Une nouvelle fois avec son revers espagnol. Tout de même rapidement Arnaud mettre davantage d'intention dans les frappes, se rapprocher de sa ligne de fond de court pour Sébastien, prendre le jeu à son compte. Et surtout lâcher un peu plus au service qu'il vient de faire pour entrer dans un rythme un peu plus important. Voilà, dommage, dommage. Peut-être un peu tôt dans l'échange, c'est amorti. Pourtant, il avait bien frappé en coup droit, il avait mieux servi aussi. 0-30, attention. Ça sonne le moment de se réveiller. Et ça commence par le premier service. Thank you.
Oui. Pas suffisamment de marge de sécurité par rapport à la ligne de couloir. Et 3 balles de break pour Mantilla. 7 points contre 1 pour l'instant pour Mantilla. C'est une balle qui sort de quelques millimètres. Pour l'un comme pour l'autre, c'est le premier match disputé sur le central. Il faut prendre ses points de repère. Oui, exactement. Apparemment, Mantilla y parvient mieux que le français actuellement. Superbe. Premier ace. C'est bien dégagé. Plutôt bien se dégager sur son revers pour prendre cette balle en coup droit. Avec un service qui sort légèrement Mantilla du terrain. Voilà le premier point clair de Sébastien. Mantilla et break réussi par l'Espagnol qui mène 2-0 première manche. Félix Mantilla qui bien évidemment va chercher à enfermer Sébastien Grosjean côté revers avant d'ouvrir plein champ sur son coup droit avec l'aide de son revers long de ligne. Oui, ce qu'il a déjà bien fait dans ses deux premiers jeux. Bravo Sébastien. Oui. Lui aussi a bien lâché son revers long de la ligne. Ce qui lui a ouvert un petit peu le chemin de ce filet. Et surtout a bien déstabilisé Mantilla. Regardez, Mantilla est loin de la balle. Le court est ouvert pour conclure. Défense de Mantilla qui arrive à faire ce passing shot dans les pieds. Alors Sébastien s'était bien positionné en coup droit pour lâcher ce bon coup droit et monter au filet. Sébastien qui craque le premier. Mantilla ne fait absolument aucune erreur pour le moment. Oui, cette faute directe pour le français. À cet instant, aucune pour Félix Mantilla qui prend des marges de sécurité importantes par rapport au filet, qui trouve la bonne longueur.
Il a trouvé la faille pour l'instant, Sébastien. Que ce soit en coup droit ou en revers, pour l'instant, Mantilla fait des passings dans les pieds, regardez. Bien difficile à jouer ce genre de balle. Il est vrai que la montée est courte et pas suffisamment excentrée. La première faute de Mantilla. Deuxième égalité. Plutôt la deuxième faute, égalité. Dommage. Oui, les points sont durs. Et c'est Sébastien Grosjean qui commet la faute le premier. Très très long échange. Mantilla qui est plus que réglé, visiblement. Ce n'est pas très bien touché, l'amorti. Et jeu pour Mantilla. L'Espagnol menant 3 jeux à 0 dans cette première manche. 12 minutes de jeu. Dans la partie. Et il mène 3 jeux à 0. Très tranquille. Il ne surjoue pas du tout, il est à son rythme, c'est lui qui impose la cadence. Oui, il est vrai qu'il est à un jeu plus simple que Sébastien. Sébastien est plus créatif. Il faut simplement que Sébastien arrive à être plus dynamique sur les jambes. C'est difficile lorsqu'on commence un match en 5-7. On aimerait avoir une entrée en matière plus tranquille. Là, il va falloir qu'il soit agressif tout de suite pour recoller au score et ne pas lâcher cette première manche. Cela commence avec l'amélioration de la première balle de service. Il n'y en a eu qu'une lors de son jeu de service précédent sur 6 points joués. C'était d'ailleurs un S. Voilà, parfait. Tout de suite agressif sur le coup droit, derrière le service. Magnifique, oui. Magnifique, que c'est long dans l'échange de la part de Mantilla. Oui, il est très intéressant de voir comment il trouve le revers de Sébastien aussi. Sans beaucoup de difficultés pour l'instant. Et là, il joue intelligemment en venant au filet sur ce revers.
Et vous voyez qu'au filet, il n'est pas maladroit du tout. Voilà. 188 km/h. Pour l'heure, c'est le service le plus rapide du français. Contre un tir difficile. C'est-à-dire que gagner ce premier jeu est important pour réellement se relâcher un petit peu et retrouver un peu de vitesse de balle, notamment en coup droit. Très très précis Mantilla pour trouver le revers de Sébastien. Actuellement bien meilleure longueur de balle dans l'échange de la part de l'Espagnol. Oui, et puis avec beaucoup d'effet, ce qui repousse Sébastien, l'empêchant de réellement attaquer sur ses balles. Nouvelle balle de break pour l'Espagnol. Sébastien qui a pas mal de soucis avec son revers, l'autre qui a reproché Ra. Sur ce coup droit très décroisé, Mantilla remonte la balle, donne une utilité à Sébastien. Thank you.
Mantilla, c'est la troisième. La troisième. Oui, très bien servi. Extérieur, 188 km/h. Le balle de break écarté par le Français. Il n'est plus mené que 3 jeux 1 dans cette première manche. Allez, espérons que le gain de ce jeu va le libérer un petit peu. Cela dit, pour l'instant, que les points paraissent difficiles à faire face à Mantilla. On est sur acquis un véritable rock pour le moment. Allez, un bon signe pour Sébastien. Quelques erreurs. Deuxième là, très longue. Oui, pas très facile à attaquer ce style de deuxième. Beaucoup d'effets liftés, une balle qui remonte très haut. Et vous? Moi non. Oh, moi non plus. On ne dira rien. Allez, deux coups droits, ouais, deux erreurs. Pédale. C'est dommage. Très bien joué de la part de Mantilla. Oui, je dirais dommage pour Sébastien car il a commencé à bouger un peu plus ses jambes. Il était plus dynamique notamment en revers, avec bien sûr plus de réussite. Mais c'est vrai que Mantilla est tout à fait à l'aise en fond de court. Grosjean étant le premier, là encore, à céder dans l'échange. 25 minutes de jeu et 4 jeux 1 en faveur de l'Espagnol. Minutes de jeu. Grosjean va servir. Oui, un début difficile là pour Sébastien. Mantilla très très solide. Et Sébastien pas encore bien en jambe dans ses coups, qui n'a pas pour l'instant de solution, notamment avec son coup droit. Et pourtant, il va falloir s'ancrer.
entraîné par Joaquim Muñoz, Félix Mantilla. Et apparemment, sur le plan tactique, tout a été bien évidemment analysé, prévu, et tout fonctionne à merveille côté espagnol. C'est bien fait de la part de Félix Mantilla. Là encore, l'initiative est prise par le joueur espagnol. Oui, et l'ouverture des hostilités a été donnée par ce revers le long de la ligne. Rien Mantilla. Sébastien qui essaye bien sûr sans beaucoup de réussite. Et trois nouvelles balles de break en faveur du joueur espagnol. Allez, l'info, genre de première balle de service, suivi d'un bon coup droit derrière. De service, un retour un peu court et un coup droit qui déstabilise Mantilla. Voilà, c'est bien. Superbe. C'est le deuxième coup droit vraiment lâché par Sébastien Grosjean. Oui, de plus, ce coup-là, il était frappé sur le coup droit de Mantilla. Et non pas décroisé sur le revers, ce qui a surpris l'Espagnol. Non, là il a manqué un pas de dégagement. Ouais, il était trop loin là de sa ligne pour faire un bon coup droit. Surtout qu'il n'a pas encore trouvé le bon rythme avec ce coup. Pas encore un bras assez fluide. Oh.
Il s'en tire bien parce que son premier coup droit avait été mal centré. Il a pris la ligne. Allez, parfait, très bien. Bonne fin de jeu. Et avec trois balles de break écartées, le Français n'étant plus mené que 4 jeux à 2 dans cette première manche. Là, ce coup droit était vraiment bien parti. Montée assez longue sur le coup droit de Montilla. Un schéma de jeu à garder. Chaque fois, Sébastien se retrouve à faire une volée sous le filet. Pour ce premier point, à 4 jeux à 2 sur le service de Montilla. Voilà le coup droit qu'il faut choisir, plein champ sur le coup droit de Montilla. Excellent. Échange de coups croisés, dégagement de Sébastien qui lâche sur le coup droit de Montilla. Un schéma tactique une nouvelle fois positif. Et pareil, voilà une faille dans le jeu de Montilla. Enfin, un petit espoir au point de vue de la tactique. Attendre que Montilla rejoue sur le revers de Sébastien. Sébastien se dégage et frappe fort de l'autre côté. Oui, et deux balles de break, et deux premières balles de break pour Sébastien Grosjean. La servie. Un service plus appuyé. Bien joué Sébastien, c'est fait à la deuxième occasion. Et dans un instant, le Français servira avec des balles neuves, n'étant plus mené que 4 jeux à 3 dans cette première manche, 36 minutes de jeu. Grand Chelem en Angleterre.
pour voir Mantilla commettre quelques fautes directes, pour voir Sébastien Grosjean bouger davantage sur le terrain, trouver enfin quelques solutions sur le plan tactique, mais il est bien là désormais le Français, et il va servir avec des balles neuves. Mantilla ayant l'avantage 4-3 dans le premier set. Bien sûr qu'il faudra éviter trop tôt dans l'échange, surtout lorsqu'il ne se trouve pas dans une position pour vraiment lâcher ce coup droit. Ouais, revers parfait le long de la ligne. C'est bien mis à niveau là, Félix Mantilla. Cette balle au-dessus du filet. Et là, en revanche, sur ce coup droit, en deuxième coup, il était très bien. Il pouvait parfaitement lancer tout son bras dans la balle. Superbe. Et joué Sébastien. Oui, avec la dernière volée jouée dans le contre-pied de Félix Mantilla. Ce qui est intéressant, la vitesse des jambes de Sébastien pour venir au filet. Il se trouve à l'intérieur du carré, il continue d'avancer après sa volée. Non, il n'est pas en position pour lâcher ce coup droit, Sébastien Grosjean. Balle de break de nouveau pour Félix Mantilla. Il n'a pas mis les jambes au niveau là de la balle. J'allais dire pourtant, à la différence du début de la partie, Sébastien commet un minimum d'erreurs maintenant. Il tient parfaitement dans l'échange. Et de plus, il utilise son coup droit. Un bon escient. Par Mantilla. Et dans un instant, l'Espagnol va servir pour le gain de cette première manche. Il a toujours été devant jusqu'alors. Physiquement, c'est dur, très dur, et pour l'un et pour l'autre. Oui, très très dur. Un peu plus dur encore pour Sébastien, qui a tendance à contourner son revers, ce que fait beaucoup moins Félix Mantilla.
Ce sont les erreurs en coup droit qui coûtent cher à Sébastien. 14 déjà depuis le début du match. Beaucoup de ces erreurs sont dues bien sûr à un placement de jambe parfois limite. Il s'en sort bien, le Français, malmené tout au long de cet échange. C'est bien, la pression est sur Félix Montilla qui sert pour ce premier set. Sébastien qui arrive à bien tenir là dans l'échange sur ce dernier point. Et encore une fois, un coup droit fort frappé fort sur le coup droit de Montilla. C'est un schéma gagnant. Pour le Français. C'était à mi-court. Et là, c'est vraiment le coup droit décroisé qui fait mal à Sébastien. Celui-ci. Pardon, ça va être le suivant. Voilà. Premier coup droit un peu boisé, c'est-à-dire décentré, avait mis Montilla dans une position un peu délicate. Il avait ouvert tout l'autre côté. Mais là encore, je trouve Sébastien un tout petit peu trop haut sur les jambes. Oui, il est visiblement tendu encore. Pour Montilla. Il faut dire que la pression et le poids des balles de Montilla, il fait beaucoup aussi. La fatigue de Sébastien, au bout d'un moment, s'accroît évidemment dans l'échange. Set remporté par Félix Montilla en 47 minutes, le score 6 jeux à 3. Logique, l'Espagnol a toujours été devant au cours de ce premier set. Très concentré, un crédit de 7 points par rapport à Sébastien Grosjean. Bien sûr, moins de points gagnants par rapport aux Français, mais
pratiquement deux fois moins de fautes directes pour Félix Mantilla. Et on peut dire que la différence s'est fait aussi en tout début de set où Mantilla ne commettait aucune erreur alors que Sébastien en a accumulé pas mal. Il a effectivement ensuite donné un coup de rein Sébastien pour recoller au score, débreaker l'Espagnol et servir à 4 jeux à 3, ou plutôt 3 jeux à 4. Malheureusement, c'est encore quelques fautes en coup droit qui l'ont coûté cher à Sébastien. À ce moment-là, Mantilla est repassé devant. Il est vrai que Mantilla joue très bien, trouve assez souvent le revers de Sébastien, le balade beaucoup. Et donc, dans ces conditions, il est difficile d'être très explosif lorsqu'on a un échange très long. Et Sébastien a besoin d'explosivité pour lâcher son coup droit, ce qui n'est pas chose facile pour l'instant. Non, d'autant que Mantilla a retrouvé une très bonne longueur de balle dans l'échange. Un Mantilla qui court beaucoup moins que le français. C'est lui le patron sur le court incontestablement actuellement. Exactement, il est plus constant, plus stable. Même si Sébastien a les armes pour le déstabiliser et venir gagner les points, il faut que Seb arrive à mettre toutes les pièces du puzzle les unes à côté des autres pour faire moins d'erreurs et surtout trouver la dernière étincelle d'explosivité pour lâcher son coup droit et éventuellement finir au filet. Minutes de jeu, une manche à zéro Mantilla. Grosjean est au service. Second set, Grosjean to serve. Magnifique passing de Mantilla qui fait jouer Sébastien sous le filet. Pour l'instant, c'est du solide hein, pour l'Espagnol. C'est bien joué. Oui, mais que les échanges sont durs. Oui, et on a l'impression même dans l'échange, Sébastien a beaucoup souffert. Là, c'est beaucoup par le talent aussi qu'il s'en sort, Sébastien. Dernier coup de patte. Et toujours cette impression, Arnaud. Mantilla court moins que son adversaire. Oui, Sébastien, malheureusement, ne peut pas toujours lâcher son coup droit. Tant cela lui demande beaucoup d'énergie. Rentrée.
Et superbe. Cette fois-ci, accélération, coup droit croisé et premier jeu de cette deuxième manche en faveur du Français. First game, second set. Ouais, c'est vraiment ce coup droit puissant sur le coup droit de Montilla qui lui donne des points à Sébastien. Bien sûr qu'il faut qu'il arrive à se trouver dans cette position pour le lâcher. Ce qui est finalement la chose la plus difficile aujourd'hui. Se mettre dans la position de faire de bons coups droits attaqués. Car Montilla neutralise parfaitement Sébastien pour l'instant. Magnifique, magnifique. Très compact sur sa volée. Ouais, c'est très très bien là, d'agresser Montilla dans ce jeu pour essayer de breaker rapidement dans ce deuxième set. Pour essayer d'en prendre les commandes. Les toutes premières variations au service de Félix Montilla qui a essentiellement servi revers du Français. Allez, c'est le moment, 0-30. Alors qu'il était dominé. Ouais, et là une légère baisse de régime de Montilla. Double faute, un mauvais revers. Trois balles de break pour Sébastien Grosjean. C'est bien touché, ouais. En demi-volée de la part de Félix Montilla. C'est plutôt assez incroyable même. Je pense que même lui est très très content du résultat. Magnifique sur la deuxième. Que Félix Montilla et break réussi par le Français. Il mène 2-0 dans cette deuxième manche. Il y a effectivement quelque chose à faire sur cette deuxième balle. Où là, Sébastien peut tout de suite prendre les commandes de l'échange. De faire avancer Félix Montilla, de le faire bouger en avant, de le sortir de son schéma de jeu de fond de court. Deuxième faute en coup droit.
pour Sébastien. Celle-là est vraiment non provoquée. Il était pourtant dans une belle position à Seb. Allez, peut-être céder avec une première balle de service pour souffler un peu. Oui, ça ferait du bien, des points obtenus gratuitement de temps à autre. Parfait. Ce n'est pas un, si, même si ce n'est pas un point gratuit, au moins ça le met dans une position de pouvoir conclure assez rapidement derrière. Balle de break pour Mantilla. Grosse faute là. Ouais, grosse faute. Allez, il faut le sauver ce jeu. Ce qui est bien, c'est qu'il prend bien son temps, Seb, pour récupérer. Parfait, le deuxième S. 183 km/h, service extérieur. Que c'est couru! Oui, que c'est joué derrière! Incroyable ce que vient de faire Mantilla, pourtant elle était bien masquée cette amortie. De plus, elle était plutôt vraiment bien touchée. Nouvelle balle de break. Il arrive à la glisser encore le long de la ligne. Très très déterminé, Félix Mantilla. Concentration sans faille. Sébastien, magnifique. Bravo. C'est comme Mantilla tout à l'heure. Il est bien coupé la trajectoire. Oui, l'utilisation du revers long de ligne. Exactement, en coupant très bien la trajectoire de ce revers croisé de Mantilla. Pour la prendre un peu plus tôt et s'appuyer dessus. Ça coûte cher là, ces coups droits. Eh oui, 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 oui. Balle décentrée qui lui fait perdre l'avantage du terrain. Et break réussi par Félix Mantilla. L'Espagnol n'étant plus mené que 2-1 dans cette deuxième manche.
Félix Mantilla qui ne paraît absolument pas fatigué. C'est vrai qu'il paraît très très bien. Il est visiblement très déterminé, vous l'avez dit Hervé, visiblement sûr de lui. Il sent bien que physiquement il est en pleine bourre, en pleine forme. Il a fait effectivement 3 matchs en 5-7 et il semble plus gaillard que Sébastien. Sébastien sur ce jeu qui a commis pas mal d'erreurs en coup droit, notamment des coups droits très bas, des coups droits où il fallait se baisser dans les jambes et bien passer son bras, il n'a pas réussi à le faire. Il n'a pas péri de l'indemeur dans cette deuxième manche, mais il a redonné en tout cas bien confiance à Mantilla, alors qu'il avait réussi à bien le déstabiliser sur les deux premiers jeux de cette manche. Et le problème, c'est que ça ne donne pas vraiment confiance à Sébastien Grosjean sur son service. Alors c'est déjà... Il l'a déjà perdu, pardon, à 3 reprises. Une manche à 0, Mantilla. 2 jeux à 1 pour Grosjean dans le deuxième set. L'Espagnol est au service. Mantilla qui va davantage sur sa première, côté coup droit de Grosjean maintenant. Oui, c'est vrai. À juste titre d'ailleurs. Oui, tout à fait, c'est ce qu'il faisait plus sur les points importants dans la première manche. Là, il le fait plus que sur tous les points. Mantilla. En tout cas, c'était très positif de jouer sur le coup droit de Mantilla avant d'ouvrir sur son revers. C'est vraiment du qui tout double hein, quand on tourne son revers comme cela. Il faut en général faire le point, sinon eh bien, tout le côté droit est libre pour l'adversaire. Bien joué Sébastien, encore une volée sous le filet qu'il a réussi à bien diriger. Mantilla est encore sur la balle, bien sûr. Mantilla qui fait énormément jouer Sébastien. Au niveau des jambes, il est difficile à prendre en défaut. Le joueur espagnol, c'est l'une de ses qualités maîtresses. Non, ça sort. Et jeu pour Félix Mantilla qui égalise donc à 2 jeux partout dans ce deuxième set. À 2 jeux en demi-teinte là, de Sébastien après avoir bien commencé cette manche. Visiblement on sent qu'il a besoin de récupérer, de se recalmer, retrouver un peu de dynamisme et de lucidité pour la suite du match. Ses erreurs en coup droit. Comment
commence à faire beaucoup. 20 fautes. Oui. Là, par contre, c'est très très bien. Il a bien poussé sur ses jambes pour servir cette première balle de service. Il a bien pris son temps sur le coup droit suivant. Il a parfaitement avancé dans la balle. Non, ce n'est toujours pas lui, l'homme décisionnel sur le terrain actuellement. Pourtant, il cherche à l'être en venant au filet sur ce revers de Mantilla. Et Mantilla neutralise les attaques de Sébastien. Il s'en sort bien là, Sébastien, il a hésité avant de monter. Oui, il était très très loin de son filet. Mais il a le mérite de tenter au moins, de mettre un peu de peps dans ses coups. Et de chercher des solutions. Exactement. Balle de break pour l'Espagnol. C'est pareil, un Seb qui manque de jambes. Joue qu'avec son bras, ou ses bras si vous voulez, pour le revers. Sans impulsion au sol. Des jambes vers l'avant et dans la balle. Oui, ouais. Superbe. C'est bien arraché sur ce smash. Ah oui, il fallait le chercher celui-là. Allez, il s'ouvre le filet avec ce coup droit. Plein champ coup droit Mantilla. Nouvelle balle de break pour Mantilla. Advantage, Mantilla. Allez, première balle de service. Bien joué, Sébastien. Cheers. Première balle, coup droit décroisé. Changement efficace. Il est prêt à tenir 10 heures sur le court, Mantilla. On a l'impression, oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne les craint plus beaucoup, les 5-7. Quand on en gagne 3 de suite, on est plutôt à l'aise. Étonné par le nombre d'erreurs en coup droit de Sébastien. Il n'arrive pas à traverser vraiment bien cette balle. Il a tendance, sans vraiment se relever, mais en tout cas à tourner beaucoup trop ses épaules dans le coup. Pas passer la raquette suffisamment vers l'avant, vers le filet. Les fautes. Quatrième service perdu par Sébastien Grosjean depuis le début de la rencontre et troisième jeu consécutif remporté par Mantilla qui mène donc 3-2 services à suivre après avoir remporté la première manche 6-3. Pratiquement 1h15 de jeu.
de Félix Mantilla. Dans un instant, l'Espagnol va servir. Il mène sa barque très tranquillement. Il y a un véritable rock physiquement depuis le début de ce match. Il a saoulé Sébastien Decoux dans la première manche. Il fait perdre incontestablement de l'explosivité dans les frappes de balle du Français. Et de la lucidité. Allez Sébastien, de la révolte. Un peu passif là Sébastien, il se laisse déborder par l'effet de la balle. C'est trop fort. Sans prendre de risque, une énorme marge de sécurité par rapport au filet et par rapport aux lignes pour Félix Mantilla. Et c'est Sébastien qui fait l'essuie-glace et qui a tendance à raccourcir ou à faire l'erreur. Oui, le Français qui paraît saoulé de coups actuellement. De faute de Félix Mantilla. Bien servi. Premier reste pour l'Espagnol. Et cette flexion de jambe pour aller chercher la balle le plus haut possible. Faute en coup droit, la 22e je crois pour la 23e même pour Sébastien Grosjean. Et quatrième jeu consécutif remporté par Félix Mantilla. L'Espagnol continuant de dominer assez nettement les débats. Et oui, la grande différence se fait dans la constance du jeu. Félix Mantilla qui fait un minimum d'erreurs, voire aucune erreur, et qui fait travailler Sébastien. Allez, il faut à tout prix recoller à ce score, car cette manche est loin d'être finie. Parfois le sentiment aussi que Sébastien fait du point par point, oui, mais qu'il n'a pas trouvé la solution. Oui, l'impression qu'il manque d'énergie aussi pour bien se placer, pour rentrer dans la balle comme il fait si bien d'habitude. Soit dit Mantilla en est le premier responsable. Hein. Parce qu'il fait un match magnifique. Ah,
13-15. Il est partout. Ah oui, il va très très vite. Il voit très tôt aussi. Et en plus, il est très adroit pour glisser cette balle longue sur le revers de Sébastien. Parfaitement tenu. Regardez, il reste bas en jambes, Félix Mantilla, pour tenir son filet. Il s'effondre sur la balle. Ah, étonnant. Manque d'impulsion pour passer bien sous la balle et surtout la prolonger cette frappe de balle vers l'avant et faire un coup normal, enfin en tout cas un bon coup. Une balle de double break. Et là, sa première double faute de Sébastien. Dans un instant, Félix Mantilla servira avec des balles neuves pour mener 2-0 face aux Français. 1h21 de jeu. ...3-5-2 en faveur de Félix Mantilla. Physique qui ne paraît absolument pas entamé. Nous vous disions au début de ce reportage qu'il s'était préparé, qu'il était resté 2 mois en montagne, se préparant en altitude. Et apparemment cela porte ses fruits. C'est sûr qu'on a l'impression qu'il a 4 poumons aujourd'hui. D'ailleurs dans ses matchs précédents aussi, il ne fatigue pas. Il saoule de coups Sébastien. Et il sert donc pour le gain du deuxième set et pour mener 2-0. Quel échange. Oui. Quel échange. Et que c'est difficile pour Grosjean de bouger Mantilla. Et surtout difficile de faire un point. C'est pas mal. Changement de tactique un peu chez Sébastien, un bras plus relâché. Il n'accélère plus systématiquement le premier. Il laisse Mantilla faire le jeu. Exactement, il fait monter les balles un peu. Balle haute liftée sur le revers de Mantilla.
Ouais, elle était dure à jouer cette balle. Il avait bien slicé son revers, Montilla, avec un effet légèrement latéral. Ce qui a fait partir la balle encore un peu plus de Sébastien. Sébastien qui n'a pas réussi à récupérer la balle, la prendre au bon moment. Oui, c'est long. Pas beaucoup de réussite dans tout ce qu'il entreprend, Sébastien. Oui, parfait, bien. Parfait, avec beaucoup de patience. Balle de break pour le Français. Il a été très patient en début d'échange avant d'accélérer en revers, puis monter sur ce coup droit. Des variations de rythme qui pourraient être une solution. Terrible, hein, 25 fautes de coup droit. Alors que la deuxième manche n'est pas encore terminée. Et ça fait vraiment beaucoup. D'autant que c'est le point fort de Sébastien. Deuxième double faute, troisième pardon, pour Félix Montilla. Donnons une nouvelle balle de break à Sébastien Grosjean. Ouais, très très solide. Il a frappé un peu plus fort au service alors qu'il avait tendance à remettre simplement en jeu tout à l'heure. Il a été agressif sur le retour. Il est donc venu sauver cette balle de break sans attendre. Encore la défense en revers chopé pour faire ce passing shot. Car la montée de Sébastien était presque à contre-temps. Vous allez voir, il fait ce coup droit décroisé. Celui-ci qui lui donne du temps. Il voit Montilla faire un revers chopé. Il monte vite. Mais là, Montilla court absolument partout. Et Sébastien se trouve un peu loin du filet pour exécuter une bonne volée. Balle de 7. C'est fait. 2 manches à 0, rien à dire. C'est trop parfait de la part de Félix Montilla. Le score 6-3, 6-2 en faveur de l'Espagnol. Tout juste 1h30 de jeu.
Oui, vous le disiez, un Mantilla parfait pour le moment. Et un Sébastien qui, après avoir mené 2-0, eh bien, s'est légèrement effondré. Un peu plus d'erreurs, notamment en coup droit. Des points en coup droit qui ne viennent pas compenser son nombre d'erreurs. Et même nombre de points gagnants d'ailleurs chez Félix Mantilla au cours de ce deuxième set. Plus de points marqués par le joueur espagnol. 7 points qui s'ajoutent à ceux engrangés lors de la première manche. Au total, c'est un crédit beaucoup plus important. En faveur de Félix Mantilla à cet instant de la rencontre, 70 points contre 56 à Sébastien Grosjean. Reste à savoir si le Français va pouvoir réagir, trouver un semblant de solution, s'il va parvenir à gommer le fait d'avoir perdu les deux premiers sets. Le chemin est très très long maintenant, d'autant que psychologiquement il doit être atteint, Sébastien Grosjean. Tant son adversaire couvre bien le terrain, prend les décisions, distribue le jeu. Oui, et puis il joue bien les points importants. Regardez encore cette balle de break contre Mantilla. Il est venu la sauver de la plus belle des manières en changeant légèrement sa base de jeu. Il a donc plein de possibilités, l'Espagnol. Il en a encore sous le pied visiblement, alors que Sébastien, on ne sait pas trop. C'est vrai que le chemin est long, il faut tout recommencer comme s'il venait de rentrer sur le court, avec en plus l'handicap de la confiance accumulée par Mantilla. Les réponses, on va les avoir assez rapidement, dans l'attitude et dans le jeu. 6 jeux consécutifs en tous les cas pour Félix Mantilla pour conclure ce deuxième set. 1h32 de jeu, 2 manches à 0 Mantilla. 6-3, 6-2, Grosjean est au service. Ce qu'il faut faire pour marquer un point. Beaucoup plus patient là, Sébastien. Prend beaucoup plus de marge de sécurité par rapport au filet. Troisième essai. Troisième set en faveur de Sébastien Grosjean. En tout cas, aucune erreur dans ce jeu. Un jeu très constant.
fait plier légèrement Félix Mantilla. Et apparemment l'acceptation par Sébastien de perdre en explosivité ce qu'il gagne en patience. Sera-ce la solution ? Formidable. Il amène Sébastien à un point où le Français se trouve sur son côté revers là-bas. Voilà ici pour pouvoir lâcher le long de la ligne. C'est long. On dit que Sébastien n'a pas fait d'erreur encore dans ce troisième set. Mantilla en est à 3. Ce qui est sûr, c'est qu'il poursuit sa recherche personnelle pour trouver la faille. Allez, 30 partout. Il n'a pas remise. Bien joué Sébastien, il varie, il frappe plus fort dans cet échange. Il agresse pour s'octroyer une balle de break. D'un demi-millimètre. Oui. Il n'est pas parvenu à retourner suffisamment long. De la part de Mantilla, là encore un passing coupé, longue ligne. Oui, toujours cette balle qui tombe après le filet. Sébastien obligé une nouvelle fois à faire une volée sous le filet. On sait bien qu'il est difficile de claquer, de frapper fort une volée qui se trouve sous ce filet. Ce qui permet à l'Espagnol de lâcher un deuxième bon passing shot. Non, non, non.
Là, il en avait perdu la patience, Sébastien Grosjean. Jeu, Félix Mantilla. Un jeu partout, troisième manche. Fantastique. Angle trouvé, surtout la zone de jeu est parfaite. 50 cm à l'intérieur du court. Une zone de jeu que les joueurs travaillent à l'entraînement. Et sur l'attaque, il n'est pas bougé, bousculé, déstabilisé par Grosjean. Et bien servi, allez. Il en faut ce genre de première balle. Oui, bien joué. Et là encore, il fait jouer une volée à Sébastien. Vraiment très bon dans tous les secteurs du jeu. Félix Mantilla aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut être très présent derrière ses frappes en général et derrière les montées au filet. Car Mantilla fait jouer à chaque fois. Monsieur Graff en a décidé ainsi. Voilà un premier coup droit extrêmement percutant. Et jeu pour Sébastien Grosjean. Il mène 2-1 dans cette troisième manche, 2-7-0 en faveur de Félix Mantilla. Ça vous rappelle les vainqueurs de cette septième journée. Les internationaux d'Australie, tout d'abord dans le tableau féminin et dans le bas du tableau, ont joué pour une place en huitième de finale, sont qualifiés. Venus Williams, 6-3-6-2 face à Nicole Pratt, australienne. Antukova qui bat 7-6-6-3 Patty Schnider. Victoire de Virginia Juano Pascual, l'espagnole. Invitée surprise des quarts de finale et de Justine Hénin au terme d'un match tout à fait exceptionnel. 9-7. Au troisième face à Lindsay Davenport, match de toute beauté que vous aurez très certainement la possibilité de revoir sur Eurosport en cours de journée. Parallèlement à ces matchs, victoire d'Agassi, 6-1-3-1, abandon de Coria, victoire de Juan Carlos Ferrero face à Hanchik et victoire de Wayne Ferreira face à l'Arménien Sarxian. Deux manches à zéro.
Félix Mantilla, deux jeux à un Grosjean, l'Espagnol au service. Décider d'agresser à nouveau Mantilla pour venir chercher le break, Sébastien. Rien ne réussit. Encore une faute en coup droit. La 28e faute en coup droit de Sébastien Grosjean. Égalisation à deux jeux partout pour l'Espagnol dans cette troisième manche. À côté, c'est dommage, pourtant il y avait encore de l'idée là-dedans. Mais peut-être pas encore assez d'engagement dans la réalisation. Regardez ce revers, les deux bras vont partir, mais la balle n'est pas très bien centrée. Oui, et puis les jambes sont restées en arrière. Tout est du côté espagnol. Il a le mérite, Mantilla, même lorsqu'il est pris de vitesse, ce qui est assez rare depuis le début de la rencontre, mais de faire jouer un coup supplémentaire à Sébastien Grosjean. Exactement. Grande défense. Allez, c'est bien. Posséder en s'appuyant sur cette première balle de service, ce sera déjà ça. Superbe. Très tranquillement avec un bras parfaitement relâché. Prenant la balle légèrement plus tôt et surtout en jouant dans le contre-pied.
With our leads by 3-2. Étant qu'il puisse rester devant son adversaire, sait-on jamais, même s'il est dominé toujours par Félix Mantilla, l'avantage étant énorme, 2-0 pour Félix Mantilla. On retrouve l'Espagnol au service. Oui, parfaitement aligné son revers, il n'a pas bougé dans la frappe avec son bras. Les jambes étaient en appui et surtout la ligne de pôle parfaitement maintenue. C'est parfait. Les frappes qui sont plus claires chez Sébastien, notamment en revers. Il y a beaucoup d'applications pour cette montée au filet en coup droit. Dommage, dommage, il était pourtant... Sébastien qui construit un peu plus tranquillement ses points. Oui, qui dépense moins d'énergie. Exactement. Qui se bat moins avec la balle. Permet peut-être d'être plus lucide au moment d'attaquer. Mantilla pour le moment... C'est exceptionnel, c'est parfait. Maître du jeu lorsqu'il en a besoin. Il sert bien, il engage l'échange sur le coup droit de Sébastien avant de lâcher sur le revers. Comme elle est plus claire cette frappe en revers de Sébastien. Allez, c'est le moment, la 40A. Quatrième double faute chez l'Espagnol. Voilà, il sautille, il a raison Sébastien. Il sent lui aussi que c'est le moment de passer devant. Ouais, c'est très très bien servi de la part de Mantilla, son service le plus rapide depuis le début de la rencontre, 185 km/h. On peut remarquer cette faculté se baisser dans les jambes, prendre appui au sol et prendre de l'énergie au sol pour frapper les balles, Félix Mantilla. Méthode assez espagnole.
Plus de tension là dans le bras de Mantilla. Premier service qui n'était pas parti, le deuxième était forcé avec une balle qui a collé un petit peu à la raquette. Terrible, hein. 30e faute en coup droit. 12 coups droits gagnants simplement pour Sébastien. Habituellement, ce sont des statistiques totalement inverses. Oui, il y a 30 coups droits gagnants pour 12 fautes. Bien, aujourd'hui, ça ne va pas de ce côté-là. Et pourtant, ça y est, il tient. Ce n'est plus tout à fait la même rencontre, je trouve. Oui, non, je partage totalement votre avis. Il y a plus de calme, moins de frustration chez Sébastien Grosjean. Oui, et puis des erreurs qui sont maintenant très rares, même s'il en commet encore. Arrive à gommer ses quelques erreurs, il pourra vraiment passer dans ce match, oui. En tout cas dans cette manche. Et pourquoi pas ensuite. Oh oui. Somptueuse défense de Sébastien Grosjean dans un premier temps avant d'accélérer. Ça, c'est un point qui va faire un peu mal à Félix Mantilla. De plus, le public se réveille un peu. Peut-être mettre un tout petit peu plus de crainte encore dans le bras de l'Espagnol. Très sport, hein, Mantilla. Il félicite Sébastien. Oui. Il se dit c'est un joueur très sympathique. Balle courte. L'impression qu'il fait le plus difficile Sébastien au moment où une balle est un peu plus livrée, plus jouable, il commet l'erreur. Magnifique. Position idéale pour Sébastien. Oui. Qui lâche ce coup droit décroisé. Ça faisait un bon moment qu'il n'avait pas réussi un de cette qualité. Allez, il faudrait ce jeu. Oui, bravo. Balle de break pour le Français.
Mantilla beaucoup mieux neutralisé par Sébastien Grosjean. Exactement, et on a le sentiment que Sébastien a la capacité en plus d'accélérer après ou de changer, de varier comme il l'a fait avec son revers long de la ligne. Allez, c'est celui-là. Oui, c'est magnifique. Magnifique, il a retrouvé un peu d'explosivité, Sébastien Grosjean. On avait senti en début de troisième manche un changement tactique chez le Français. Des changements de cadence. Il ne se bat plus avec la balle. Il donne moins d'effet. Joue moins en force. Il retrouve un petit peu de ses qualités naturelles. Le voilà devant, 4 jeux à 2. C'est maintenant qu'il faut tenir. Sont du côté espagnol maintenant, l'impatience aussi. C'est bien. Quand ne se battant plus avec la balle, il trouve un meilleur relâchement, donc une meilleure vitesse de balle, une meilleure efficacité. Qui plus est, il dépense beaucoup moins d'énergie. 196 km/h pour ce quatrième essai. Voilà, c'est vraiment le Sébastien Gros qui est beaucoup plus libre dans la balle. Chanceux, le Français. Il avait servi sa première la plus rapide depuis le début de la rencontre. 197. Ça y est. Oui, il y est davantage Sébastien Grosjean. Et il mène 5 jeux à 2 dans cette troisième manche, toujours 2-7 à 0 en faveur de Félix Mantilla. Partie commencée depuis 2h05. Changement à tous les niveaux de la part de Sébastien. Ouais, il est beaucoup plus tranquille dans toutes ses frappes. Plus fluide sont ses gestes. Et il est vrai que son service aussi va beaucoup mieux. Félix Mantilla qui sent qu'il n'a plus du tout le même joueur en face. Ça se complique un peu pour lui. C'est vrai que maintenant on joue à la lumière. Il fait encore un peu moins chaud. Sébastien semble tout à fait bien. Je trouvais qu'au service aussi il avait beaucoup plus d'impulsion. Et à 40-0 notamment essayer de claquer des premiers à plat pour ne pas perdre le rythme, ce qui est essentiel. Donc il y a la lucidité aussi chez Sébastien actuellement. Exactement. Aucune raison qu'il ne puisse retourner la situation. Du moins c'est ce que l'on espère bien évidemment pour lui.
surtout que c'est toujours très difficile lorsqu'on mène 2-7 à 0 et que son adversaire revient dans le match, qu'il est capable d'élever son niveau encore. Le joueur qui mène 2-7-0 eh bien, se crispe un peu. En tout cas, c'est peut-être ce qu'on peut espérer pour Sébastien. Deux manches à 0, Mantilla. 5 jeux à 2 pour Grosjean dans la troisième manche. L'Espagnol est au service. C'est quitte ou double. Il faut faire retour gagnant. Oui, là, son retour est trop au centre du terrain. Tellement mieux Sébastien, il est tellement plus dynamique dans ses reprises d'appui. Mais ça se joue vraiment à rien. Ça se joue tellement à rien que la balle paraît sur la ligne. Ouais. Difficile à dire en fait si elle touche ou pas. Figure, c'est pas mal d'avoir tenté, même s'il a été malheureux à trois reprises, de montrer ses intentions. Bon, moins de réussite là pour Mantilla. Car Sébastien Grosjean prend beaucoup plus de place sur le terrain. Là par Sébastien Grosjean. Et jeu pour Félix Mantilla. Sébastien Grosjean servant maintenant avec des balles neuves pour le gain de ce troisième set et pour ne plus être mené que par deux manches à une. Thank you.
Voilà, très rapide pour aller chercher cette balle et la prendre au-dessus du filet pour la claquer. On a l'air chopé qui monte un peu. Et Sébastien qui essaie de prendre la balle le plus tôt possible pour la frapper fort de l'autre côté. Oui, ah, tout va mieux. Et c'est là où on voit que Sébastien a toutes les armes pour remporter ce match s'il commet moins d'erreurs. C'est ce qu'il est en train de faire. Magnifique. Trois balles de troisième set pour le français. Et enfin, une réussite quasi totale sur le coup droit. Le cas, c'était le 15e coup droit gagnant. Hannes. Le 5e pour conclure ce troisième set. Bravo. Bravo Sébastien. Il n'est plus mené que par deux manches à une. Partie commencée depuis pratiquement 2h15. Oui, là c'est vraiment un set quasi parfait. Dès le début, vous l'aviez dit Hervé, eh bien Sébastien était plus calme, plus serein, plus tranquille. Il ne surjouait pas, ne cherchait pas à forcer ses gestes, ses coups. Il a été plus patient en début de manche avant de frapper au bon moment. Avec le résultat qu'on connaît. Meilleure réussite aussi lorsqu'il est venu au filet. Plus de points gagnants, bien sûr, et à peine plus de fautes directes que chez son adversaire. D'où cela est très correct. Voilà pour la première fois un équilibre trouvé entre les points gagnants et les fautes directes. 9 points de crédit aussi pour Sébastien dans ce troisième set. Avec un bon pourcentage aussi de première balle de service et 3 S. Une bonne manche et on l'espère, un retournement total de situation face à Félix Mantilla. En tous les cas, nous le disions au début du troisième set, c'est une autre rencontre qui commence. S'il parvient à effacer, à oublier le fait de partir avec un handicap de deux manches, le retournement de situation est possible. Ce qui est bien, c'est que dos au mur, il était capable de se relâcher un peu plus. Et de montrer surtout à Mantilla eh bien, qu'il ne lâcherait pas. Et qu'il a toutes les armes, et ça on le savait, pour éventuellement gagner cette rencontre. 2h15 de jeu, 2 manches à 1 Mantilla. L'Espagnol est au service, le premier dans ce 4e set. Au plus vite, Sébastien fera le break, au mieux il se trouvera. Oui, et au plus vite, Mantilla doutera. Oh, ça y est, le coup droit, c'est une fusée maintenant. Love it.
Et bien vu de la part de Mantilla. Oui, la balle prend la ligne. Ça commence vraiment à sourire. Toutes ces balles avaient tendance à sortir ou être dans le filet dans les deux premiers sets. Un petit peu précipité là peut-être, il n'était pas suffisamment bien positionné. Et oui, il prend la balle beaucoup plus tôt, Sébastien Grosjean. Félix Mantilla qui commence à parler. Là, il est loin de cette balle, là, Mantilla. Service légèrement sur le corps. Pas pu s'organiser du tout là, Mantilla, sur ce retour de coup droit. Et comme prévu, il y a des choses à faire sur la deuxième de l'Espagnol. Et Sébastien commence à bien les faire. Superbe. Et balle de break pour le Français. Avantage Grosjean. Essayez, il est au-dessus de la balle, Sébastien. Il domine Félix Mantilla en fond de court. Avec l'utilisation parfaite de son coup droit. Break réussi d'entrée par Sébastien Grosjean, énorme coup droit croisé. Et après 2h20 de jeu, voilà le Français bien dans son match maintenant. Oui, ça va mettre un petit coup au moral à Mantilla. Mantilla avait fait tous les efforts pour sauver cette balle de break en mettant sous pression Sébastien. Bien Sébastien qui rate quasiment plus maintenant. Et qui raccourcit de plus en plus, et ici il parvient à glisser la balle croisée. Il est vrai que l'Espagnol partait de très loin et qu'il a été cueilli à mi-court. Félix Mantilla qui demande peut-être l'intervention du kiné lors du prochain changement de côté.
1-0, quatrième manche, Grosjean au service. 204 km/h, service le plus rapide du français. Le sixième ace. Il y a vraiment là tout le talent maintenant de Sébastien qui s'exprime. Il y a des petites brèches dans sa confiance, même des grosses. Ouais, les petites défenses, c'est Sébastien qui les font, qui les fait maintenant, pardon. Petite défense de revers chopé dans les pieds. Et à cet instant de la partie, même si l'avantage est de 2-7-1, en faveur de Mantilla, il y a 99 points partout. Jeu blanc pour Sébastien Grosjean. 2-0 pour le français dans le quatrième set. Un passing quasiment à bout de souffle et à bout de course. Certain qu'un double break serait tout à fait idéal. Faute maintenant chez Félix Mantilla. Beaucoup plus de difficultés à pousser sur les jambes maintenant. Et il est pris sur sa deuxième. Sébastien qui peut certainement être tout à fait confiant car cette deuxième balle de service ne lui fera plus beaucoup mal. Il est mieux en jambes, il va plus vite. Mantilla qui fait service volé. Oui. Ce qui tendrait à prouver que l'Espagnol est quand même un petit peu perdu là actuellement. Et surtout, certainement pas beaucoup de solutions pour lui. Quand Sébastien joue aussi bien, lorsqu'il est patient et lorsque c'est lui qui attaque avec son coup droit, on prend la balle plutôt en revers. Alors une fois de plus en danger. Et balle de break, balle de double break pour le français.
Il arrive à partir devant très vite dans cette quatrième manche pour garder encore un peu plus de force pour le cinquième. C'est fait. 3 jeux à 0 pour Sébastien Grosjean dans cette quatrième manche. 2h26 minutes de jeu. Et je dirais qui plus est, il va pouvoir garder un bras relâché avec deux services d'avance. Et comme prévu, le kiné arrive auprès de Félix Mantilla. Voilà, c'est pour les jambes dures, les raideurs. Il est sûr qu'avec 3 matchs en 5-7 dans les pattes, ça peut être à l'avantage de Sébastien Grosjean. On se l'a dit, Arnaud, il a disputé au total 8 matchs en 5-7, Félix Mantilla, et il est largement bénéficiaire puisqu'il a gagné 7 des 8 rencontres disputées au meilleur des 5-7, alors que Sébastien, lui, qui en a disputé 13, a bien connu à 7 reprises la défaite, 6 fois la victoire, mais les 3 derniers matchs disputés ici en 5-7 ont été perdus par Sébastien. Dit, ce ne sont que des statistiques. Des statistiques et des chiffres sont là pour être démentis. Voilà, exactement. En tout cas, c'est bien parti pour Sébastien qui domine maintenant sur le court et c'est bien l'essentiel. Pratiquement 2h30 de jeu, 2-7-1 en faveur de Mantilla. 3 jeux à 0 Grosjean dans la quatrième manche. Le Français est au service. Regardez l'explosivité de Sébastien en première balle maintenant. Oui. Rien à dire, c'est bien joué. Il cherchait à son tour un meilleur relâchement, Félix Mantilla, dans ses frappes de balle. Le septième, 199 km/h. Ah oui, c'est vraiment explosif. Il y a des brèches maintenant, bien évidemment. Déclenchement musculaire plus tardif chez Mantilla. Oui, juste avant la ligne, cette balle. Mal à s'étendre là, Mantilla, pour chercher cette balle. 14-13. Il est pourtant pris l'avantage dans l'échange. Courte, sans grande consistance, peu de vitesse,
Et puis vous le disiez, Mantilla qui relâche plus son bras. Il se sait plus que menacé dans cette quatrième manche. Deux breaks de retard, il est dos au mur. Et dans tous les cas de figure, le relâchement peut lui permettre de retrouver l'efficacité. Et puis c'est important aussi pour lui de ne pas dépenser trop d'énergie dans l'optique d'une cinquième manche, il y a bien sûr une cinquième manche. Tout à fait. Enfin, on est plutôt parti pour. Ah oui. Superbe. Bonne première encore. L'œil est d'évidence moins alerte chez Félix Mantilla. Oui, et je pense que cette manche, il va légèrement y aller tranquille. Oui, doucement l'oublier. Oui. 4 jeux à 0 pour Sébastien Grosjean. Relâché. 15 up. Et de 2. 30 up. C'est génial. Ce coup droit croisé est exceptionnel. Le 21e coup droit gagnant de Sébastien Grosjean. Le troisième revers long de ligne, toujours avec ce même relâchement. Oui, il y a deux joueurs qui n'ont plus la volonté de faire de longs échanges maintenant. En vue d'une cinquième manche. Et jeu pour Félix Mantilla. L'Espagnol n'est plus mené que par 4 jeux à 1 dans cette quatrième manche. Nous avons aperçu notre ami qui arrive toujours à soutenir les adversaires des Français. Non, parce que là, en fait, si on... peut-être que tout à l'heure on le verra, chaque fois que Sébastien gagne un jeu, il sort le drapeau français. Et chaque fois que Mantilla gagne un jeu, eh bien, il sort le drapeau espagnol. Ah, je n'avais pas repéré alors. Ouais. Ce qui est plutôt sympathique. Même si ce supporter est connu de tous les joueurs. Ah oui. Pour être un peu bruyant au bord des cours. C'est le moins que l'on puisse dire. J'en profite pour rappeler les qualifiés du jour. Dans le tableau, messieurs, sont d'ores et déjà dans le bas du tableau qualifiés pour les quarts de finale. Juan Ferreira qui a disposé de Sarxian l'Arménien. Juan Carlos Ferrero qui a battu Hanchik le Croate. André Agassi qui a éliminé Coria l'Argentin. 6-1-3-1, abandon de l'Argentin. Et puis chez les filles, un match exceptionnel. Deux manches à une en faveur de Félix Mantilla. 4 jeux à 1, Sébastien Grosjean dans le quatrième set. Le Français est au service. Ça commence à descendre au service. Le 9e. 4 déjà dans cette manche. Superbe. Ce qu'il fait en coup droit maintenant, Sébastien. C'est la hauteur, bien sûr, de ce qu'on attend chez lui. Tant il a de talent et tant il nous a déjà montré combien ce coup était efficace.
Ouais, il est bien long, cette balle. Qui a complètement changé de côté. Un spectateur a dit Agassi, fais attention à toi. Après le point de Sébastien Grosjean. J'ai l'impression qu'il a mal aux cuisses, Sébastien Grosjean, déjà sur le coup précédent. Ce jeu 5 jeux à 1, voilà notre ami qui distille les couleurs françaises. Voilà un jeu de service qu'il serait bon d'essayer de prendre pour entamer la dernière manche au service. Oui, exactement. Superbe, c'est bien de réussir ce passing, toujours avec le même relâchement. La précision maintenant est au rendez-vous, l'efficacité aussi. Pas sur celui-là. C'est dur de prendre ce style de retour. Oui. Il y a plus de mal, la Mantilla. Oui, oui, oui. Souci au niveau des jambes, Félix Mantilla. Yes. Chaque deuxième balle, Mantilla, totalement en danger. Gageons
que lors de la cinquième manche, il sera tout de même plus consistant en deuxième. Ça va être une cinquième manche difficile, tant les deux hommes semblent tout de même atteints. Oui, oui, mal aux jambes de part et d'autre. Hein. Il y allait, Montilla quand même. Et balle de deux manches partout pour Sébastien Grosjean. C'est relevé là sur ce coup droit, revenu de face trop rapidement. Oui, ça passe et jeu pour Félix Montilla qui préserve sa mise en jeu. N'étant plus mené que 5 jeux à 2 dans cette quatrième manche. Dans un instant, Grosjean sera au service pour l'égalisation et une manche partout. Il a déjà obtenu une balle de 7 non convertie lors du jeu de service de Montilla. Visiblement un problème au bas du dos, Félix Montilla. Yeah, so give me something to take out the pain, and make me a massage. Or... On demande une pilule certainement pour enlever un peu de douleur et puis un petit massage. L'absorption d'un comprimé, d'un anti-inflammatoire ressemblant peut-il atténuer Arnaud la douleur assez rapidement, faire son effet. Généralement c'est quand même, je crois, 15 à 20 minutes. Voilà, dès que le set est fini, il aura droit certainement à un petit massage. On the court or? Yeah. So we take it 3 minutes. After the set. So yeah, we take it 3 minutes. Ce qui veut dire que Montilla a d'ores et déjà compris qu'il devrait disputer une cinquième manche. Deux manches à une en faveur de l'Espagnol. Grosjean est au service pour l'égalisation à deux manches partout. Félix Montilla a mis énormément de pression dans tous ses coups pour poser des problèmes à Sébastien Grosjean. Il a frappé très fort. Yeah.
it all. J'ai le sentiment sur ces deux derniers points, Arnaud, que Sébastien se battait davantage avec la balle. Oui, c'est vrai. Mais on va dire qu'il y a un petit peu de tension quand même pour finir ce set. Certainement, on l'a dit, un peu plus de fatigue. Là, par contre, pour le service, il y a toujours autant d'explosivité. Un service à 180 km/h, slicé. Dixième ace pour le français. Troisième double faute. La deuxième. Sébastien là. Regardez surtout le relâchement dans le bras de Mantilla sur ce dernier coup droit. Très tranquille, il ne force pas du tout. Et la balle va bien sûr plus vite. Et elle est précise. Balle de break. Pour Sébastien Grosjean dans ce quatrième set. Balle 9 pour Félix. C'est vrai, vous l'avez noté, c'est le premier jeu depuis un moment où Sébastien eh bien, force un peu plus. Il y a des balles qui partent moins vite, il y a des gestes un peu moins fluides. C'est l'inverse pour Mantilla, dos au mur. Première étape, c'est de conclure cette manche pour Sébastien. Magnifique. Là, il y avait du relâchement, de la fluidité. Exactement. Love it, team. C'est parfait, en deux revers, il gagne le point Sébastien. On a vu Mantilla sur son coup droit souffrir un petit peu pour bien se placer. Celui-là, il a du mal un peu à reprendre ses appuis, perd du temps. Excellent. Trois nouvelles balles de 7, trois nouvelles balles d'égalisation à deux manches partout pour Grosjean. C'est fait. 2h51 de jeu, deux manches partout. Sous les applaudissements de Thierry Tulan. Et l'on repart maintenant quasiment 2-0. Massage donc pour Félix Mantilla. Voilà le point de contracture montré
par le joueur lui-même. Bill Norris, le kiné de l'ATP. Oui, ça fait maintenant quelques années. Hein. Entre 40 et 50 ans. Non, mais bien 30 ans. Oui, bien 30 ans. Bien 30 ans. Bien 30 ans. À cet instant de la rencontre, 247 points ont été disputés, 126 pour Sébastien Grosjean, 121 pour Félix Mantilla. Quatrième set dominé très largement par le joueur français qui s'était procuré un break d'entrée. Il était parvenu à prendre une deuxième fois le service de son adversaire et une bonne chose parce que Sébastien va entamer au service le premier. La dernière manche suite à la perte de la mise en jeu de Félix Mantilla sur le service précédent. Sébastien, une nouvelle fois beaucoup plus percutant dans cette quatrième manche. Beaucoup plus percutant bien sûr que Félix Mantilla, mais aussi par rapport à ces deux premières manches où on le sentait bien moins explosif dans toutes ses frappes de balle, commettant bon nombre d'erreurs en coup droit. Il a depuis été nettement meilleur. Minimum de fautes en coup droit, énormément de points. Beaucoup de patience, une belle construction en général. Et surtout, il a repris l'ascendant psychologique sur l'Espagnol. Car c'est lui qui est capable, sur les services de Félix Mantilla, de mettre en danger l'Espagnol tout de suite. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour Mantilla. Obligé de travailler énormément, de fatiguer Sébastien. Et si Sébastien physiquement tient le coup, et si aussi il arrive à garder ce même niveau de jeu, il gagnera cette rencontre. Cela dit, méfiance, parce que je demeure persuadé, connaissant le joueur depuis de nombreuses années, que Mantilla va être là et bien là dans cette cinquième manche. Ça c'est sûr. C'est sûr. De plus, son ses résultats en général sur les matchs en 5-7 montrent que c'est un redoutable guerrier, combattant, qui ne lâche absolument rien. De cette rencontre, bravo, bravo pour les qualités morales de Sébastien Grosjean qui tente de rester concentré ici, car ce n'est pas évident d'être mené 2-7-0, dominé, ne pas trouver de solution et finir par recoller au score par la seule grâce d'un meilleur relâchement. Dès lors où il ne s'est plus battu avec la balle, il a retrouvé l'explosivité, l'efficacité, la longueur de balle. Il est vrai que Sébastien a toutes les armes dans son jeu pour réellement dominer une partie comme celle-ci. Mantilla est un redoutable contreur, c'est vrai. Il est aussi un joueur qui fait un minimum d'erreurs, mais il n'a pas de grands coups qui permettent de déstabiliser totalement son adversaire. C'est généralement en l'usant qu'il arrive à passer devant. Sébastien avait été usé assez rapidement finalement dans ce début de partie où il a été moins explosif, où il avait beaucoup plus de mal à tenir les échanges et surtout à utiliser son coup droit. Depuis le début de la troisième manche, c'est un tout autre joueur, c'est le vrai Sébastien Grosjean qu'on connaît parfaitement. 30 secondes donc, le massage va prendre fin et Mantilla va reprendre sa place pour relancer la mise en jeu de Sébastien Grosjean. Invective Félix Mantilla. Allez, c'est parti. Vigilance, vigilance pour Sébastien Grosjean. Deux manches partout entre les deux hommes. 2h57 de jeu. Le Français est le premier au service dans ce dernier set. Final sets.
No jump to serve. Thank you. C'est parfait, les deux premiers points, toujours très important au début de cinquième manche. Belle petite demi-volée là. Dans la foulée en avançant, prenant la balle montante. Avec durant cet échange des frappes moins claires de la part de Sébastien Grosjean. Sur un coup. La différence entre un frappeur, Clémentia, et un puncher. Le type Sébastien Grosjean avec son coup droit. Jeu de cette dernière manche pour Sébastien Grosjean. Un jeu très très convaincant où on a vu pas mal de belles choses, même si une ou deux fois on a vu Sébastien moins bien frapper dans la balle. Pour le reste, il a surtout bien frappé en coup droit au moment où il le fallait. Et il a fait courir Félix Montilla sur cet amorti. Il montre à l'Espagnol qu'il a le match en main. Allez, Seb, là encore, même scénario. Au cours du quatrième set, plus vite il fera le break et plus il se libérera, le Français. Allez, c'est bien ce premier point là, ça donne énormément de confiance, surtout que Montilla a manqué de flexion dans ses jambes là. On vient de dépasser les 3 heures de jeu. Magnifique, magnifique. Fou de rage, Félix Montilla. Il ne peut pas faire grand chose, Montilla. C'est Sébastien qui part cette montée par un magnifique lob.
C'est lui qui est plus créatif, il est plus capable maintenant. Il le fait bien, ce revers long de ligne, Mantilla. Ouais. Il faut vraiment trouver de la longueur dans l'échange pour lui interdire l'exécution de ce coup. Tout à fait, car c'est vraiment avec ce coup qu'il est le plus dangereux. Qui peut vraiment déborder Sébastien Grosjean. Ça aurait été bien de réussir celui-là. Après ce long échange, Mantilla qui était rentré dans un rythme en frappant un peu plus fort, mettant un peu plus de poids dans ses balles. Parfait. Oui. Balle de break pour le Français. Tous ces coups droits qu'il manquait dans les deux premiers sets, il ne rate quasiment plus maintenant. Et le 28e coup droit gagnant de Sébastien Grosjean. Ah oui! Et break réussi. Il parle français. Il mène 2-0 dans cette dernière manche. Mantilla fou de rage, qui a jeté une fois sa raquette et jeté la balle. Et qui vient de prendre un avertissement d'ailleurs. Il est clair qu'il sent qu'il n'a plus du tout les cartes en main. Cette victoire est en train de lui échapper, lui qui a mené 2-7-0. Méfiance, méfiance tout de même. Magnifique, vraiment magnifique. Il tient dans un premier temps l'échange sur le revers de Mantilla. Arrive à bien se placer avec son coup droit pour lâcher de l'autre côté. Après, c'est une formalité. Beaucoup sur ce dernier revers. Par contre, en plus droit, ça devient de plus en plus solide. Oui, mais plus que jamais, vigilance, parce que Mantilla est là. Songez que ce joueur espagnol a passé ses trois premiers tours en cinq manches. Tous les cas de figure, il va falloir retrouver une très bonne qualité de première pour Sébastien. Ah.
Dommage, dommage, là ce coup droit croisé lui avait ouvert l'autre côté du terrain. Malheureusement sur ce coup droit, regardez, il part en arrière. Il n'arrive pas à réavancer vraiment dans cette balle. Première balle que vous demandiez. Oui, il en aura besoin, Sébastien. De la part de Félix Mantilla, se tourne vers son entraîneur Munoz, Joaquim Munoz, serre le poing, oubliez les fatigues. C'est le premier coup droit des croisés qui a mis à mal Sébastien. Et ça fait balle de break pour l'Espagnol. Break réussi par Félix Mantilla qui regagne son coin en courant. Il n'est plus mené que 2-1 dans cette dernière manche.